Et salut tout le monde, j'ai décidé de vous faire un petit journal de bord parce que c'est vrai que quand on fait un test vidéo, eh bien vous voyez toujours le produit fini. Donc là, eh bien pour Horizon 2 Forbidden West, bah, je viens de le commencer. Donc je vais faire une petite vidéo après chaque session de jeu. Donc là, j'ai joué une heure, une première heure. Déjà, wow. Alors la cinématique d'intro, enfin c'est même pas la cinématique d'intro en fait quand vous lancez le jeu et que vous le laissez tourner. Eh bien, elle est très pixelisée, ça c'est assez souvent, hein, parce qu'elle est compressée en fait, mais bon, c'est pas, le jeu a pas vraiment démarré déjà. Et donc, j'ai démarré le jeu, donc on a un petit topo sur, eh bien, on a un petit résumé sur Horizon, Horizon 1, Horizon Zero Dawn. Et là où je suis très content déjà, eh bien, c'est que, graphiquement, c'est une tuerie. Je joue sur PS5, j'ai pas encore installé le jeu sur PS4, je sais pas si je vais le faire, je pense que oui, mais je voudrais bien faire un comparatif entre les deux versions quand même, donc on verra bien. Et il y a deux modes d'affichage, il y a le mode résolution et le mode fidélité. J'ai essayé les deux et bon bah pour un jeu comme Horizon qui est un RPG le 30 images par seconde ne me gêne absolument pas en fait et donc j'y joue en mode résolution donc en 4K. Oh là là, dès les premières secondes, dès les premières secondes et surtout dès les premières minutes. C'est incroyable en fait. C'est les textures sont d'une finesse monstrueuse. Les effets graphiques sont splendides et on n'a pas vraiment l'impression de jouer à un jeu cross-gen quoi, c'est incroyable. Et pour le moment là où je suis vraiment très très content, d'accord, mon truc vient de se casser la gueule. J'utilise un stabilisateur. Il est très fatigué aussi. Alors attendez, j'essaie de rallumer le bidule. Oh là 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 là. Bon voilà, c'est un journal de bord, hein, donc le journal de bord, il capture tout. Hein. Et donc là où je suis très content, eh bien, c'est qu'on a déjà, de forts liens, et c'est ce que j'attendais, avec notre civilisation, vous savez, celle qui s'est éteinte dans le jeu il y a 1000 ans. Et il y a déjà, enfin en fait, la première mission du jeu se focalise là-dessus. Donc pour l'instant, je suis vraiment ravi. Je vais juste vous montrer vraiment, enfin même pas 2 minutes, mais 30 secondes de gameplay. Alors c'est, franchement, ça va pas du tout être représentatif du jeu, mais puisque je capture ma télé, hein, c'est voilà, tout simplement. Mais oh, putain, c'est pas possible. On va faire à la main. Regardez-moi ça un petit peu comme c'est ouf. Donc j'y joue sur une télé 4K Hisense qui est bien réglée comme tout ce qu'il faut avec un super HDR manuel. Hein. D'ailleurs mon tuto est disponible sur YouTube. Et j'y joue avec voilà mon casque Beats directement dans la manette. Ça c'est quelque chose que je ne peux vraiment pas faire. Je peux vraiment pas faire ça en fait. Quand je joue en live, pour la simple et bonne raison, et eh bien que le son, sinon, vous ne pouvez pas l'entendre en live. Donc voilà, première heure de jeu, vraiment très très satisfaisante. Il me tarde vraiment d'en voir plus. Là, je vais jouer encore 1 heure et puis après, je vais aller me coucher. Donc voilà un petit peu, rendez-vous demain pour la suite des événements. Voilà, je tiendrai un petit journal de bord. J'ai jamais fait ça encore. Vous me direz à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Je vais faire une empilation de toutes les vidéos que j'ai faites pour faire une vidéo finale en fait, qui sera disponible eh bien à la fin de l'embargo. Et voilà, à demain eh bien pour une autre heure de jeu ou une autre session de jeu tout simplement. Bon, nous y voilà à nouveau, je suis le lendemain, donc on est le 29 janvier 2022. Donc hier je me suis arrêté eh bien tout simplement à la fin du prologue, donc j'ai terminé l'introduction qui est très très sympa. Ça pète pas dans tous les sens, je trouve que ça met bien l'ambiance en place, c'est une suite, donc on a tout de suite la suite de Horizon Zero Dawn. Donc voilà, là je vais vraiment véritablement commencer le jeu. Il est 16h40 et je voulais vous faire part aussi d'un truc parce que c'est vrai que bah, d'habitude, quand j'ai pas beaucoup beaucoup de temps, je joue pas forcément avec le casque en audio 3D et j'utilise le casque normal en fait que je branche directement sur mon PC parce que je fais des captures en même temps et c'est vrai que bah, d'avoir plus de 3 semaines pour tester un jeu, ça me permet de le faire vraiment de bonne manière avec l'audio 3D et eh bien quand j'aurai terminé, je pourrai recharger d'autres sauvegardes, d'autres fichiers de sauvegarde
pour faire eh bien les captures de du jeu pour le test vidéo. Je voudrais aussi eh bien capturer la superbe introduction du jeu, histoire de donner un petit peu genre les 15 premières minutes du jeu ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques années. Donc voilà un petit peu, vous connaissez maintenant tous les coulisses ou presque, et je vous montrerai aussi eh bien dans les jours à venir comment je ferai pour comment je fais pour capturer, parce que c'est vrai que des questions techniques ça m'est souvent demandé, comment tu fais machin bidule. Donc là, vu que j'ai le temps, eh bien je vous montrerai même un petit peu comment ça se passe eh bien dans le logiciel de montage. Je pourrais pas vous montrer comment je fais pour enregistrer la partie facecam entre guillemets. Puisque je me sers de mon téléphone pour filmer. Donc voilà, mais bon, ça à la limite, il n'y a pas de grand secret. Hein. Vous posez le téléphone sur un trépied sur une table, vous vous filmez en train de raconter une histoire, et c'est exactement la même chose. J'ai quelques petites notes sur un cahier, mais pas forcément, c'est plus un déroulé. Donc voilà, et bien je me lance dans ma deuxième session d'Horizon Forbidden West, et je pense que là je vais jouer deux bonnes heures, et je vous donnerai mon ressenti au bout de ces deux heures. À tout de suite, messieurs, dames. Là, je suis juste mort de rire parce que, regardez, ce joli petit gars, il s'appelle Itamen. Il t'amène le bon temps, il t'amène le repas, il t'amène le soleil, il t'amène la pluie, il t'amène le vent, il t'amène que des emmerdes, il t'amène le bonheur. Voilà, c'est tout. Alors là, c'est énorme, je découvre eh bien les nouveaux types d'embranchement. Donc en fait, là, je suis en train de me faire draguer de ouf, et donc on me demande, les embranchements représentent un choix émotionnel. Donc voilà, on va pouvoir faire avancer les choses de manière différente. Donc ça, c'est sympa, une petite nouveauté cool. Ça peut apporter une diversité supplémentaire. Voilà, on verra sur la distance que ça donne. Bon, 1h46 du mat. Ça se voit un peu, hein. je compte pas vous spoiler hein, dans ce journal de bord. Juste vous dire un petit peu les ressentis à chaud. Alors à chaud, de ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, l'intro est top. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Et là, ce soir, parce que je sais plus si j'avais fait une vidéo après ma deuxième session. Là, en fait, c'est la troisième session. J'ai fait une heure. J'ai joué une grosse heure et demie en fait après mon live. On a fait un Warzone, on est samedi. Et donc, j'ai fait surtout des quêtes annexes. En fait, je suis vraiment rentré dans l'histoire, mais pas dans l'histoire, surtout dans l'univers du jeu en fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a encore une fois la trame principale, et là j'ai fait pas mal de quêtes annexes, j'ai fait pas mal d'explorations aussi, et finalement j'ai de quoi faire. Et ce qui ressort un petit peu, si vous voulez, de mon avis à chaud comme ça, c'est que j'ai l'impression que Guerrilla Games a quand même écouté toutes les critiques de la presse et des joueurs, un petit peu surtout. Donc ça, c'est des choses que je vais bien regarder pour tout simplement les développer dans mon test écrit, dans mon test vidéo. Et voilà, c'est un petit peu le sentiment qui en découle. C'est-à-dire, je vous donne un exemple tout bête, mais on disait que les séquences cinématiques dans les échanges entre deux personnages avec des PNJ notamment, ils étaient assez fades puisque les PNJ avaient une tête assez classique. Là, ils ont vraiment travaillé ça, en tout cas pour ce que j'ai vu. Et la mise en scène est un petit peu mieux, c'est moins des écrans fixes avec la caméra qui bouge pas, là il y a des échanges, des trucs comme ça, donc c'est plus immersif. Et pour le reste, c'est pareil, il y a plein de trucs qui ont été améliorés, et rien que l'escalade, enfin, voilà, c'est quelque chose que je développerai dans le test. En tout cas pour le moment, c'est une bonne entrée en matière. Je suis à 5 heures de jeu là à peu près, un tout petit peu moins. Et franchement, 5 heures de jeu, j'ai juste envie de voir la suite, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de refaire des combats. Ma Aloy dans le jeu est déjà assez forte, puisque je vous ai dit, j'ai fait en gros, j'ai fait 2 heures de quête annexe et d'exploration, donc j'ai tapé de la bestiole, et Aloy a déjà pas mal de points de compétence. Donc, on va continuer demain. Demain, c'est dimanche, donc demain après-midi, je pense que je vais passer une bonne partie de l'après-midi sur Horizon Forbidden West. En tout cas, c'est un jeu que j'attendais énormément. C'est peut-être l'un des jeux que j'attendais le plus, d'ailleurs, depuis la sortie d'Horizon Zero Dawn. Pour l'instant, je suis comblé, donc affaire à suivre. Allez, à la prochaine session. Voilà, je vais aller dormir, par contre. On va essayer de faire disparaître ses poches sous les yeux. Troisième session, terminée. Donc,
toujours aussi emballé en tout cas. Et puis mon petit problème, alors c'est juste ça, puisqu'on a dit que c'était un journal de bord, pas un test, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire la quête principale. C'est-à-dire que, regardez, bah moi quand je vois ça, des grandes étendues comme ça, bah j'ai juste envie d'explorer. Et le problème, c'est que je suis déjà niveau 8, ou niveau 9 même. Et j'ai fait énormément de quêtes annexes. Enfin, j'ai fait beaucoup d'explorations avec. J'ai fouiné un petit peu partout, en fait. Et voilà. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Et j'ai même pas encore fait la première mission principale, la première quête principale de l'après-prologue. Mais bon, voilà, je m'éclate toujours autant. Et puis bon, après, voilà, ça va bien finir par avancer. Mais c'est vrai que les niveaux me donnent vraiment toujours envie d'explorer et d'aller voir ce qui se cache un petit peu partout. Et comme le monde regorge de trucs à faire et de trucs à explorer, bah, voilà, je suis toujours aussi enjoué, en tout cas. L'aventure se continue, mais là on va aller se coucher, hein. J'ai une tête le soir, c'est un truc de ouf. Pourtant je dors, je vous jure. Allez, à demain. Et salut, on est 2 jours plus tard et je n'ai plus de barbe. J'ai un peu oublié de faire le point d'hier. Alors, c'est vrai que bah, plus je joue, plus je suis impressionné par surtout le scénario. C'est vrai que j'attendais beaucoup beaucoup de choses, hein, je le disais depuis des années. Ce que j'attendais le plus en fait pour Horizon 2, c'était que, eh bien, les développeurs développent vraiment le côté notre fin, notre monde, comment le monde s'est évanoui et qu'est-ce que Hope Zero. Et waouh, c'est voilà, sur ce point-là, je suis plus que satisfait. Alors, j'ai joué, je dois être à 12 heures ou 13 heures de jeu là, je suis à 13 heures. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes annexes jusqu'à mes 10 premières heures de jeu. Donc là, j'avance un petit peu plus vers le scénar, parce que pardon, j'aimerais quand même bien voir un petit peu ce qui se passe. Et maintenant que je suis bien rentré dans le scénar, je peux vous dire que à chaque fois que je coupe la console, j'ai très 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 envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Là, c'est très ingénieux. Encore une fois, je vous en dirai plus pendant le test, mais sans spoiler, bien évidemment. Et par contre, c'est vrai que là me vient quand même une idée. C'est les gens qui vont acheter Horizon 2 sans avoir fait Horizon 1. Même si au début du jeu il y a une petite explication, très très franchement, faut pas acheter Horizon 2 si on n'a pas joué à Horizon 1, parce que c'est compliqué déjà à toutes les tribus, le vraiment comprendre pourquoi on est de retour à l'âge de pierre, comment fonctionne un petit peu aussi l'intelligence artificielle, comment fonctionne Hope Zero et compagnie. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même, c'est compliqué de s'y retrouver si on n'a pas fait Horizon Zero Dawn. Sinon voilà, je trouve toujours que le jeu est somptueux, le gameplay, je découvre des choses petit à petit encore. Voilà, donc pour l'instant je suis vraiment conquis. Le jeu dépasse de très loin tout ce qui a été fait dans Horizon Zero Dawn pour le moment. Donc voilà, je referai un petit point quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Et c'est juste que voilà, je le fais pas tout le temps, ça. Mais j'ai mon petit carnet. Alors attendez que je vous montre pas n'importe quoi non plus. Voilà, et je note, je note, je note, je note. Ça, c'est mon test d'Uncharted, Legacy of Thieves. Et donc, quand je vois des trucs que j'ai peur d'oublier pour parler dans le test, eh bien voilà, j'en parle. Enfin, je fais des petits points, et puis comme ça, après, j'aurai plus qu'à organiser mes idées, à la fois pour le test écrit et pour le test vidéo. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que c'est pas trop d'avoir eu 3 semaines pour tester Horizon 2, parce que là, je viens de terminer une très grosse séquence scénaristique. Et je me dis, waouh, je suis au pied de la montagne, quoi. Et j'ai l'impression que la tâche, elle est impossible et qu'elle va durer 150 ans. Et donc, voilà, entre toutes les quêtes principales à faire et les quêtes annexes, ouais, je pense que 3 semaines, c'est pas de trop, quoi. Et ben, je vous dis à très vite pour la suite du retour et du journal de bord du test d'Horizon Zero, pas Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Et eh ben, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de petite mise à jour, parce que tout simplement j'ai tracé l'histoire, j'ai tracé la quête principale, et ça y est, j'ai terminé le jeu. Bon, bah vous aurez le verdict, voilà, dans le test. Donc là, en fait, pour tenir un peu le journal de bord, donc ce que je vais faire, c'est que bah là, comme j'ai terminé donc l'histoire principale, j'ai encore énormément de quêtes annexes à faire. Donc je voulais avoir le temps en fait d'avoir tout vu en termes de scénar,
pour ensuite avoir le temps de faire un petit peu des quêtes annexes, et surtout de faire les captures. Donc là, ça y est, le temps est venu de capturer le jeu. Donc dès demain, je vais enregistrer quelques petits passages. Donc pour information, c'est souvent comme ça en fait quand on a les jeux en avance. Eh bien, on a le droit à, je crois que pour Horizon, d'habitude c'est 20 minutes de gameplay, donc 20 minutes soit bout à bout, soit d'un seul morceau. Donc là, je crois qu'il faut que je regarde pour pas faire de bêtises, mais il me semble que j'ai droit à une demi-heure. Donc une demi-heure de gameplay, c'est énorme. Donc je pensais capturer à peu près un quart d'heure, 20 minutes de PS5 en fait. Et sur ces 20 minutes, je pense faire 10 minutes de comparatif graphique, histoire de faire voir un peu comment tourne le jeu sur PS4 Pro. Je l'ai toujours pas téléchargé, c'est 100 gigas quasiment à télécharger. Donc ce que je ferai, c'est que demain, je vais réinstaller ma PS4 Pro, je mettrai le jeu à télécharger pendant la nuit. Et puis voilà, ça fera. Donc je vous montrerai un petit peu comment je m'organise, parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu embêté. Il y a des jeux qui proposent beaucoup d'espace de sauvegarde. Là, je crois qu'il y en a que 5 ou 6, et du coup j'ai fait 4 sauvegardes pour au début du jeu en fait, hein, avant les 10 premières heures, histoire de vous montrer des choses sans trop vous spoil, pour pas vous montrer les beaux environnements que vous découvrirez par vous-même. Pareil, il y a 2-3 features de gameplay que je garderai secrètes. Par contre, ce que je ferai sans doute, c'est que je ferai peut-être un joli panorama d'un endroit en reprenant ma sauvegarde. Je sais pas si y a un New Games Plus d'ailleurs, j'ai pas encore, là je viens juste de terminer, j'ai vu le générique de fin. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau des captures. Après, je vous montrerai comment ça se passe au niveau du montage vidéo, et je vous montrerai aussi comment ça se passe quand j'installe tout simplement ma caméra pour me filmer, qui est mon téléphone. Donc voilà, et puis après je vous montrerai peut-être aussi la mise en ligne, puisque je sais que ça peut intéresser quelques personnes, puisque je vais faire une mise en ligne en amont en fait sur YouTube et sur Facebook, en tout cas pour le test vidéo. Comme ça je pourrai le programmer, il sortira à la fin de l'embargo, qui doit être le 14, on le sait, mais à 9h du matin. Donc voilà un petit peu l'organisation. En tout cas, j'ai kiffé faire ça, donc je pense que la prochaine fois que j'aurai un jeu en avance comme ça, je le ferai pour vous faire voir un petit peu l'évolution des émotions aussi qu'on peut ressentir. Donc ouais, ce qui fait de Horizon un grand jeu, et ça je le redirai dans le test vidéo, c'est que ça fait une semaine et demie que je joue tous les jours, et cette sensation de vraiment avoir vécu une aventure extraordinaire, c'est pas donné à tous les jeux, et ça serait bien si on en avait plus, bien évidemment, mais vraiment voilà, c'est ce sentiment de d'avoir partagé du temps avec des personnages ultra charismatiques, une histoire avec de multiples rebondissements. J'aurais jamais imaginé en fait qu'il se passerait ça, et en fait ça tombe sous le sens, et donc voilà, et pour l'instant en tout cas je suis vraiment ravi. Donc je vais faire mes petites quêtes annexes tranquillou, et je vais garder du contenu pour les streams, puisque j'aimerais bien le platiner, comme j'avais platiné Horizon Zero Dawn, et bien Horizon Forbidden West, je pense que ça va être la même chose. Voilà, je vous dis à demain pour la suite des événements. Il est 1h17 du matin, je me couche de moins en moins tard, c'est parfait. Et bonsoir. Je plaisante. Alors, le jour J approche bientôt, on est vendredi, on est le 11 février, donc le test, il va falloir qu'il soit en ligne lundi matin à 9h. Donc là, je commence la capture. Donc en fait, ce qui change entre le moment où je joue et le moment où je capture, c'est ça. C'est que la manette, j'enlève mon super casque, et je mets le son en HDMI. Donc je récupère à l'intérieur, je récupère le signal du jeu, en fait, dans un logiciel qui s'appelle XSplit. Je capture, là je fais bien attention à tout ça, je capture à 4K en 30 fps, parce que je vais pas enregistrer en mode fluidité, je vais faire que du mode résolution. Je le ferai sans doute pour le petit comparatif PS4 Pro, PS5 et puis mode machin truc, enfin je ferai une vidéo un peu plus technique. Et donc après, une fois que j'aurai capturé les moments que je souhaite capturer, je ferai le trim et je vous montrerai ça après. Aujourd'hui, je capture, je vais écrire aussi le script de mon test, puisque j'écris toujours un petit topo, même si ça fait des années, voilà, avoir un guide, c'est pas plus mal. Et je vous montrerai du coup comment ça se passe dans le logiciel de montage. J'utilise Logic Pro X sur Mac. Et je vous montrerai aussi un peu comment ça se passe au niveau de mes notes. Tant qu'à aller dans le journal de test, autant y aller jusqu'au bout. À toutes!
Donc voilà le fameux moment, eh bien, de l'enregistrement de la cap, enfin pas de la capture, mais de l'enregistrement, eh bien, de ma tronche avec, bah, pour le texte en fait, hein, pour tout simplement vous donner mon avis pour le test vidéo. Soit dit en passant, grosse frayeur hier soir puisque ma carte d'acquisition, eh bien, j'avais fait 1 heure de capture d'horizon en 4K et, eh bien, en regardant, eh bien, ça a complètement foiré. La résolution était pourri et je me suis dit ça y est, ma carte d'acquisition est morte. Et finalement, merci beaucoup à toi, Nolaf. On a réussi à la réinstaller comme il faut, puisqu'il y a eu deux gros bugs. Et aujourd'hui, voilà, elle fonctionne du feu de Dieu. Mais par contre, ben, pour la mauvaise nouvelle, c'est que toutes mes captures sont achetées et il faut que je recommence. Donc là, ça va, on est samedi 12. Je vais capturer, je vais monter ça tranquillement ce soir et demain. Et comme ça, tout sera en ligne. Tout sera en ligne lundi pour 9h sur YouTube et sur Facebook. Donc regardez un petit peu comment je m'organise. Voilà, j'ai mes notes aussi, ici. Hein, je fais des petites notes. Non, ça c'est Uncharted. Voilà. Alors d'habitude, un test, il faut savoir que ça tient sur une page comme ça. Souvent, ça s'arrête là même. Oui, moi j'écris comme les Japonais. J'écris de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, pardon. Et donc là, ben j'ai tout ça et j'ai tout ça avec. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de choses à dire que d'habitude, puisque il y a des points quand même qui sont assez importants. Et ben, concernant le setup, voilà comment ça se passe en fait. J'ai mon petit trépied où là je mets mon smartphone avec le micro, avec sa grosse moumoute pour capturer la voix de manière un petit peu meilleure. Donc je mets mon téléphone dans l'encoche rouge et voilà, je parle pendant une bonne demi-heure et après, eh bien, tout simplement, j'enlève les morceaux qui sont pas jolis, j'enlève les blancs et c'est parti, Marie-Josette. Voilà, je vais basculer sur la partition macOS de mon PC et je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais pas vous faire un tuto, je vous montrerai vraiment très très rapidement comment ça se passe pour un montage et pourquoi ça prend autant de temps en fait en termes de montage et d'exportation. À toutes! Donc, je suis obligé de reculer à fond, mais donc voilà en fait comment ça se passe. Donc là, je suis sous macOS et bon, bah, c'est un système de timeline en fait. Hein. Voilà, là, je suis en train en fait de m'occuper. Donc, quand je me suis filmé tout à l'heure, eh bien, il y a forcément des passages où il y a des blancs. Donc, au lieu de faire un truc genre comme ça, voilà. Ensuite, je regarde mes notes. Et avant de repartir, ouais, il y a toujours des petits blancs comme ça. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, ben, je sélectionne entre les deux, je supprime. Donc là, en fait, c'est la première phase. C'est la phase où je m'occupe de moi. Alors, je me fais pas un masque, mais eh bien, je tout simplement, voilà, je coupe et j'organise la vidéo. En fait, c'est ma vidéo principale, c'est la timeline principale, comme on dit. Et par-dessus, je vais rajouter des petits effets comme ça. Par exemple, voilà de quoi ça parle, mode fluidité. Enfin, ça, c'est tous mes modules que j'ai déjà fait. Je les copie-colle comme ça, j'ai pas à les refaire à chaque fois. Et puis, ben, je viendrai les poser ici et là. Et j'avais le droit de capturer 30 minutes, oui, 30 minutes de gameplay. Et au total, j'ai plus d'1h20. Mais bon, c'est pas un problème puisque de toute façon, vous voyez, j'ai des fichiers qui font celui-là. Il fait 13,75 Go. Donc cette fois-ci, voilà, on a quelques petits trucs pour tout simplement agrémenter bah, les vidéos quoi. Oui, ça c'est le combat contre le testudien. Donc bah, tout ça après je vais les injecter tout ce qui est dans mon dossier, je vais l'injecter ici et à chaque fois que je vais avoir besoin d'un extrait de gameplay ou truc comme ça, soit je mets la vidéo entière, soit je choisis des morceaux. Mais bon, vu la taille des trucs, laisse tomber, je vais prendre que des morceaux et je vais les coller là, je vais faire des coupures. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Un test vidéo et enfin un montage vidéo, et une fois que tout ça c'est fait, il faut cliquer là-haut pour exporter le projet. Et ici ça peut prendre vraiment là je pense que vu que je vais l'exporter en 4K 60 FPS, la vidéo de fin on a très exactement alors 27 minutes de rush, mais en enlevant tous les blancs, je pense qu'on va tomber à 22-23 minutes de test à peu près. 25 si je rajoute une intro et une outro avec du gameplay. Donc 25 minutes en 4K 60 fps. Ouais, je pense qu'on va être vers les 25 Go, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est rigolo parce que c'est quelque chose que je savais pas du tout faire avant Player One et c'est un truc que j'ai appris à faire comme beaucoup d'autres choses et c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que bah il y a toujours des choses à apprendre, des choses à développer. Et je vous montrerai ensuite comment ça se passe. Alors là, il y a vraiment rien d'exceptionnel.
Je montrerai comment ça se passe pour faire la mise en ligne sur YouTube et sur Facebook. Et je vous montrerai aussi ce que j'utilise pour faire la miniature. Sachant que les miniatures, je les fais pas par Photoshop, je les fais avec un site gratuit. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et ça sera déjà la fin de ce journal. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré. Je ferai une petite conclu quand même, histoire de faire le point. Mais c'était vraiment très sympa de partager tout ça avec vous. Allez, à demain pour la miniature et la mise en ligne. Là, ça urge. Lundi, c'est dans... dans 36 heures. Voilà, donc c'est sur ce site que je fais les miniatures. Donc en fait, on peut tout changer d'ordre. Je mets l'image que je veux, je mets le texte, je mets le fond. Et comme ça, ça fait une miniature sympa. Donc parfois, selon les jeux, on met beaucoup de temps à trouver une bonne miniature. Je mets plus ma tronche dessus parce que, voilà, on s'en fout un peu de ma tronche. Ce qu'on veut voir, c'est le jeu. Et ensuite, sur YouTube... Eh bien, ça se passe comme ça, l'arrière partie d'un compte YouTube. Donc, quand je veux mettre une nouvelle vidéo, bah, je clique sur créer, importer une vidéo, et après, bah, il y a tout un grand truc à rentrer. Alors, j'ai pas pensé à filmer en le faisant. Je vais juste vous montrer quand même comment ça se passe. Donc voilà, le titre, la description de la vidéo, la miniature. Ensuite, il y a des tags à mettre. Donc les tags, bah, c'est pour que les gens puissent trouver plus facilement votre vidéo en fait sur YouTube en faisant une recherche. Donc voilà, j'ai mis Test Horizon 2, Test Forbidden West, etc., etc. Nouveauté Horizon 2. Voilà, ça c'est à force de faire des vidéos qu'on y arrive. Et puis voilà, voilà, voilà. Et sur Facebook, c'est sensiblement la même chose. Bon ben en tout cas, cette série de vidéos est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait triper, en tout cas, de faire un petit journal de bord, un petit making-of de comment on fait un test vidéo. J'aurais pu aller encore plus loin, vous montrer les sections du jeu que j'ai choisi, machin bidule, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et ça prend un petit peu plus de temps que ce que je vous ai montré. Mais voilà, vous avez vraiment l'essentiel et comment ça fonctionne, quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu. À refaire éventuellement pour d'autres contenus, ça peut être marrant de tenir un petit journal comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.